Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Il fait nuit, samedi à 4h du matin. On est le jour 7 sur 14 de l'automne. Il va faire froid et nuageux. Et notre petite famille dort à point fermé pour l'instant, sachant qu'on a notre grande fille Simone qui est enceinte et qui a des nausées matinales, très matinales. Elle va bientôt se lever pour aller gerbouser, je pense. Et surtout, on avait fêté l'anniversaire aussi de notre Gisèle nationale qui est devenue jeune adulte dans l'épisode précédent et qu'elle avait trouvé un petit chéri, un futur mari, en nom de Florent Johnson. Et puis, voilà. D'ailleurs, il est encore ado. On va attendre un petit peu avant de voir de vieillir s'il ne vieillit pas de lui-même assez rapidement pour pouvoir procéder au petit mariage et ou à l'élaboration des petits enfants. Wouh! Oh, mais ça pousse! Dis donc, Simone, t'as déjà un sacré bidou, hein? On en est. Oh! On en est où? Ah oui, mais on en est au deuxième. Donc, dis donc. T'as un sacré de bidou déjà. Donc, ça promet. Et après, t'iras manger. Comment. Ah oui, tu penses à ta tati, mais c'est bon, t'as pas besoin. Regardez-moi ce ventre! Aïe, 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 aïe. Va savoir ce qu'il y a dedans. Les pronostics sont ouverts dans les commentaires. Je veux tous vous voir commenter sur garçon-fille. Voilà. Hein? Et puis, on verra bien dans l'épisode prochain. Je pense que ce sera seulement dans l'épisode prochain. Il y a du monde hein, dans la cuisine. C'est pas à toi de faire le ménage, Marguerite. Tiens, mange un bout de gâteau si tu veux. Un petit peu de Gisèle et son violon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vas-y, discute avec... ta sœur. Toujours avec les yeux qui louchent quand il joue au violon, ça me fait tellement marrer. Aïe, 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 aïe. Il y a quand même encore un peu des fausses notes, on dirait, hein. Ah ouais. Mais qui suis-je? Tu es. Contrôle des émotions. Oh, c'est bien, contrôle ses émotions. C'est bien, Irène. Mais va te divertir, fais quelque chose, parce que là, tu me fais peur. Bravo, Gisèle! Et on a fait venir ton amoureux qui est dans le coin. Comme ça, tu peux le reprendre sur toi, hein. C'est le tien, hein. Et personne d'autre qui fera. Voilà, il est là. Il est toujours ado, hein, comme on a dit tout à l'heure. On va discuter quand même avec lui. Oh, un petit bisou sur la joue! Il est un peu jeune pour toi quand même, Gisèle. Attention à ce que tu fais, hein. Tu vas te faire attraper pour pédophilie bientôt, hein, donc doucement, doucement. Hein. Je voulais juste apprendre son dernier trait, parce qu'on sait qu'il est soigné, mais on ne sait pas le reste. Donc voilà, comme ça, on discute, on approfondit la relation. On est forcé, puisqu'il n'est pas encore jeune adulte. Alors Albert, va falloir que tu demandes à ce Florent quelles sont ses intentions auprès de ta fille, parce que là, ça va plus. Allez! Discussion au sommet, les parents contre le futur gendre. Par contre, toi quand même, t'aurais pu t'habiller. Non, c'est pas ça, c'est elle. T'aurais quand même pu t'habiller quand même, juste pour être un peu plus présentable. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations pour ton récent anniversaire. Qui c'est qui m'envoie ça? Ah, c'est Oliver. Ah, ben merci Oliver, c'est sympa. Voilà Marguerite, là t'es mieux. Mais ah! Toi, t'es méchant. Arrête d'être méchant avec ta femme. Oh là là. Bon, elle est relou, mais quand même, ça reste ta femme. Tu l'as épousée en tout état de cause, hein. Si tu comptais mourir à la guerre, en tout cas la première, c'est raté. C'est horrible ce que je dis. Ah ben voilà, bah, c'est Simone qui prend la place maintenant. Bon, Gisèle, tu vas aussi donner les clés de la maison à Florent, comme ça il passera régulièrement et voilà. Ça devient bien tout ça. Devenir meilleurs amis. Allez, allez, allez. Apprendre la responsabilité. Bah oui, tu veux. Voilà. Tout ça, tout ça. On n'a toujours pas son deuxième trait de caractère. On va essayer de lui faire apprendre. De lui faire apprendre. Je crois qu'il va bientôt partir. Ouais. Le Sims part déjà. Non! Tu ne pars pas. Tu n'as pas le droit, Florent. Tu vas faire connaissance, exprimer son admiration, oui.
Ça devrait être bon. Allez, on veut savoir son trait. Oh là là, j'espère que c'est pas un trait pourri. Hein. Ça me saoulerait un petit peu. Et ici, ça joue au fer à cheval. Les jeunes, les ados. Ah bah ça va, le divertissement remonte pas mal. Bon bah c'est bien les gosses. Ah, ce serait pas Thomas? Oui, c'est Thomas qui fait son footing. Et ça discute. Bon, bah c'est tranquille, un petit samedi tranquille. Ah, dis donc, comment tu le regardes, ton frère? On pourrait croire qu'il se passe des choses incestueuses dans tes yeux, Irène. Hein, fais gaffe, hein. Quoi? Non, t'as pas de téléphone, toi. Non. Bon, on va commencer aussi à vous trouver des amoureux, vous deux, parce que ça va aller en allant. Hein. Du moins, si on peut vous faire avoir un peu de bonheur, si vous devez mourir, eh ben on va essayer. Salut, Gustave! Hey, il y a une demoiselle qui vient sonner à la porte. C'est une des rares... Ah, elle a l'air mignonne. Une des rares filles qu'il y a dans les connaissances de Marcel. Non, mais voilà, parce que... Elle s'appelle Axel Perales. Peral. Je sais pas comment ça se dit. Et voilà, il y en a que deux. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc tu vas surtout discuter, à voir si tu t'entends bien avec elle et éventuellement hein, en faire ta petite amie. Parce que j'aimerais bien la voir de plus près. Bon, en tout cas, je l'ai relookée, donc j'ai dû la voir, mais moi je m'en souviens plus. S'il y a des Sims que je relook des fois aléatoirement quand même et d'autres pas du tout. Ouais, elle est pas si mignonne que ça. Ah, et il y a celle-là, vous voyez, par exemple, celle-là, je l'ai pas du tout relookée. Elle aime la musique, Axel. Et elle, mon Dieu, oui, c'est pas du tout... Par contre, tu m'as pas l'air mignonne. Hein. Ouais, bof. Tu vas te faire beaucoup d'amis, Marcel. Pour te trouver une fiancée. Hein? Un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Irène, elle a renoué avec Harry. Mais en fait, c'était Harry, c'était lui. J'ai oublié entre deux. Oh là là, ouais. Je suis fatiguée des fois. Moi, il y a des fois, j'oublie. Non, c'est Kellan. Bon, je lui changeais son prénom. Parce que j'aime pas du tout. Ça fait trop américain. Si vous avez une idée pour renommer Kellan, dites-le-moi dans les commentaires. Un truc un peu plus français et un peu plus d'époque. Et je le renommerai ensuite avec ce nom-là. Comme ça, ça pourrait être pas mal. Tiens, Florent va nous quitter. Donc, Gigi, il y a ton mec qui s'en va. Voilà, il est parti. Écoute, c'est pas grave, tu vas t'occuper de toi, ma belle. Bah, elle va très bien. Bah, écoutez, moi, je sais pas quoi faire d'autre. Non, pas créer des mots interdits. Trop tard. Tu vas te faire un petit footing pour garder la ligne. Oh là là! Oh là là, Irène se bat avec son mec, enfin son futur mec. Aïe. Non mais je pense que oui, parce que c'est la bagarre de quartier, c'est la journée, mais bon quand même. Oui voilà, ils s'entendent toujours bien, heureusement cela. Ça m'a fait peur. Ils sont fous ces Sims. Ils sont dingos. Et puis une fille, ça se bagarre pas, non mais. Allez Irène. En piste, ma belle. Là, t'es un peu trop loin encore pour le draguer. Hein. Faut y aller un peu plus franco du collier, comme on dit. Hein. Un petit enlaçage, là. Tu vois, s'il réagit, s'il est plutôt réceptif, tout ça, au contact physique. Oh, tu sais que t'es plutôt pas mal comme gars. Oh, c'est pas vrai. Ben oui. Oh, ben oui. Conversation agréable. Ouh là. Ça ne rigole plus. Conversation subjective. Premier baiser, les enfants. Bon, toi, va vaquer à ta vie quand même, Marcel. Sois pas là pendant que ta sœur fait un bisou. Oh, voilà, son premier baiser. C'est trop mignon, bravo. Ah, c'est Pierre Nard qui est sorti de sa tombe ce soir. Oh, papa! Oh, papounet! Tu es mon héros, tu sais.
se renseigner sur le fait d'être mort. Oui. Renseigne-toi, Albert, parce que malheureusement pour toi, ça va pas tarder. Voilà, vu qu'il est vieux maintenant. Ça craint, ça craint, ça craint. Hey! Mais c'est Simone! Tiens, Simone, est-ce que tu peux parler avec ton grand-père? Ouais, tu le connais un petit peu quand même, mais tu peux lui dire que t'es enceinte, que la lignée de Saint-Paul continue, voilà. Ah bah, il pleut maintenant, super. Ah bah, parapluie, tous en même temps. Est-ce que les pantalons ont un parapluie? Là est la question. Comme d'hab, quand Pierre Nard vient nous rendre visite, c'est toujours, il fait toujours des trucs hyper marrants. Donc là, il joue au lama. Ah là là, sacré Pierre Nard. Oh non! Bon sang! J'ai encore un vampire! Oh là là. C'est Marcel. Ouais, c'est Marcel qui va se prendre les foudres, les dents. Aïe, Alphacy, tu vas mourir. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Je te le promets. Ah. Avec le petit bruit des dents qui croquent la peau, là. Ah. Ce sera un mauvais souvenir, mon petit Marcel. Mauvais, très mauvais souvenir. Don't worry. Hein. Tu vas vite aller te recoucher après. Du moins, tu vas tomber par terre, je le sais, mais... Mon pauvre. Ah bah. Du coup, il va même bouger d'endroit. Voilà. Boum! Allez, boum sur le plancher. Mon pauvre. Oh là là, Simone! Dans un jour, Sims, elle aura accouché. On saura ce qu'il y a là-dedans. Le ventre. Non, 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 non! Tu vas pas faire à manger. Il pleut et tout ça. Tu vas pas te prendre la flotte. Tu vas pas être malade. Déjà que c'est un peu malade d'un peu partout dans la maison. Donc, bon. D'accord. Tout est dégueulasse. Non, ça, tu peux le manger pendant qu'elle... Mais elle éternue sur la bouffe. Oh là là, mais Daichi, il est où? Au moins, lui, il n'était pas dégueulasse. Hein. Oh là là. Ah là 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 là. Aujourd'hui, Marguerite devient une vieille peau. Donc ce soir, c'est la fête dans le lit conjugal. Parce qu'ils pourront refaire crac-crac. Oui. Faut bien se réjouir de devenir vieux quand même, hein. Là, c'est bon, il n'y aura plus besoin de faire attention pour les enfants, ce sera plus possible. Donc, mais une seule fois, hein, parce que si vous faites deux fois, vous allez mourir. Bon, remarque, je pense qu'il vaut mieux que vous mouriez. Alors, trophée crac-crac, que vous mouriez d'autre chose. Hein. Surtout par les temps qui courent. Alors, ma petite Gisèle, j'ai décidé que toi, tu allais travailler, de te faire lancer dans une carrière. Donc, en 1940, pour les femmes, je ne peux pas la faire artiste comme j'aurais voulu le faire. Je peux entre criminel, médecin, cuisine et agent secret. Alors, bah, je pense que je vais faire agent secret. Je me vois bien, voilà, la faire. Elle va lutter contre les nazis, tout ça. Et elle va commencer à travailler. Il faut parcourir les informations. Bon, bah, ça, c'est cool, parce que sachant qu'on n'a pas d'ordinateur, on pourra faire grand chose. Mais au moins, elle ira travailler. Ça sera au moins donner ça. Comme ambiance, et Simone, elle, par contre, ne peut pas... Enfin, je ne vais pas la faire travailler pour l'instant, puisqu'elle est enceinte, donc voilà. Marguerite. D'accord. Ah oui, ça se fait une teuf là-haut. Bah non, alors. Ça, on se demande pas à cause de qui, hein, hein Irène. Ça, c'est de ta faute, toi. C'est forcément de ta faute. Marguerite, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas préparer ton propre gâteau d'anniversaire. On va fêter ton petit anniversaire. Tu vas faire un gâteau aux fraises, tiens, voilà. Un petit gâteau rose qui va te plaire. Allez, mamie, voilà, t'as mis tes bougies. Et on va apprendre Albert... Albert, Marcel, ça y est, je sais plus. Marcel, laisse tes devoirs là où ils sont. Tu peux les prendre sur toi si ça t'arrange. Et on va bouger. On va aller avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est bon. On va bouger, on va aller avec toi, rien qu'avec toi. On va aller se balader au parc pour rencontrer des filles, des demoiselles, des futures fiancées. Bah, ne fais pas cette tête-là, Marcel, ça va aller. Qu'est-ce que tu fais? Jouer dedans. Bon, bah, joue dans une flaque de boue si t'as envie. Voilà, salis-toi surtout, hein. Bon, ça fait remonter ton divertissement. Allez, c'est bon, va attendre là. Et on va voir s'il y a de la demoiselle de disponible. Bon, je suis pas sûre. Qui êtes-vous, monsieur?
Ah, c'est Jules, hacker. Alors, dédicace à... je crois que c'est... Il était une fois les Sims qui... du coup, c'était ta famille que j'ai pris. C'était Rainer, je crois que ça s'appelait Ackerman. Donc, je les ai bel et bien pris. Ils sont voisins de nos deux Saint-Paul. Les personnes qui m'avaient mis leur ID Origin dans les commentaires, j'ai été voir vos profils et j'ai ajouté certaines familles. Donc, voilà, vous pouvez les croiser comme là, on vient de croiser un personnage. Tiens, là, la traîtresse. C'est ta tante, ça, c'est celle qui drague ton père sous les yeux de ta mère. Voilà, et puis vous regardez dans le blanc des yeux, c'est logique. Sympa, on a même croisé Oliver au parc, mais bon, il n'y a pas vraiment de jeune fille à l'horizon. Il va falloir que tu fasses connaissance en étant à l'école, mon petit Marcel. Je pense que là, on n'a pas d'autre choix. Et laissez-moi vous laisser introduire. Oh là là, oh là là. Rose de la Fortune, qui est donc la sœur, la jeune sœur de Marguerite qu'on a dû voir il y a très longtemps et qu'on n'avait jamais réinvité depuis. Mais là, étant donné que c'est l'anniversaire de Marguerite, on invite sa famille à elle, évidemment, en premier lieu. Bien sûr, nous avons Thomas qui est invité et Gustave, bah oui, parce que bien sûr, faut pas déconner, c'est la famille aussi. Essaye de se calmer, bah, essaye de te calmer. Toi, tu dors, toi, tu peux dire quand même bonjour à Gugus. Essaye de se calmer, d'accord? Tu vas avoir une conversation avec lui. Eh oui! Et vous voyez que notre Albert Rouney, paf! Allez, un coup de canne dans la gueule! Il a sorti sa canne. Il y a des jours. Quand c'est. Non, pas un petit frère, on s'en fout. Quand il y a des jours quand c'est un peu plus vieux. Comme aujourd'hui, vous êtes plus vieux, et ben. Oula! Mais venez, venez les enfants, venez! Eh ben, il a mal. Voilà, il boite un petit peu. Donc lui, c'est le mixologue et il mixe à partir de quoi? Parce que là, t'es dehors, monsieur. Ah! C'est un fantôme! Voilà, et Louise est là. Tu vas pouvoir lui faire un petit câlin aussi. Offrir une rose. Non, tu vas pas draguer. Hein, c'est pas ton mari. Donc voilà. Non, tu vas dire bonjour aussi à Louise. Voilà. Ah, et puis lui aussi, c'est le frère. C'est le frère. Charmante, non, tu. Amusante. Voilà, tu vas te présenter. Et puis toi aussi, tu vas discuter avec ton frère, quoi. Voilà, bah, maman embarrassant de l'enfance, là, j'ai vu. C'est très bien, ça. Y a plus. Si, voilà, ça. C'est très bien. Ah, ouais, maintenant que je suis au l'aube de la vieillesse, tu te souviens la fois où. Lol. Tout va bien. Arthur Leroy, mixologue d'anniversaire, se tape un petit verre dans notre baignoire. C'est génial, les PNJ. J'adore. Allez, Marguerite, tu vas souffler tes bougies. Il est l'heure. Je crois que tous tes enfants, ou presque, non, venez ici. Presque tous tes enfants sont là. Presque tous. Irène. Ok, Simone est arrivée avec Thomas. C'est très bien. Proposer de toucher le bébé, bah oui, parce qu'il va pas tarder à arriver le machin. Hein. Allez Marguerite, il est l'heure. Deviens une vieille. Deviens une vieille. Ouais, c'est une vieille peau. Happy birthday Marguerite. Happy birthday Marguerite. Oh là 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 là. Oh, ça ne va plus. Donc tu vas appeler à table et tout le monde va se servir du petit gâtal. Oh mais oui, Paul Alan est bien là. Le frère plus jeune qui est marié avec notre petite Germaine qui est là. Voilà. Les gendres, ils sont tous les deux relégués au salon. Ils sont mignons. Oh, c'est trop chou. Oh, vous êtes mignons tous les deux. Invite à rester dormir. Ah bah oui, non, c'est dommage. C'est pas grave. Vous pouvez vous éclipser, les amoureux, pendant que tout le monde est là. Vous pouvez vous faire un petit crac-crac dans le lit. Y a pas de problème. Tout le monde sera d'accord. En plus, ce ventre qui est tellement arrondi. Et eux là. Oh, mais c'est trop chou! Bon, il est toujours pas grandi. Il est toujours adolescent. Donc, je pense que à voir pour l'épisode prochain, si on le transforme pas en jeune adulte, pour avancer un petit peu et pour qu'au moins Gisèle puisse faire un petit bébé. Et après ça. On passera lancer 2 dés. Oui.
Il y aura au moins un descendant des deux filles et si au cas où elles doivent y passer toutes les deux. Je n'aime pas cette idée, mais il faut bien. En tout cas, croiser les doigts parce que les dés de la Première Guerre mondiale n'ont vraiment pas été cléments avec notre famille. Donc j'aimerais qu'on soit très cléments cette fois-ci. Mais bon, voilà. Oui, on a gagné quand même l'or. Super. Bon, bah, tout le monde va pouvoir partir. Et puis, ben, avec Albert, ça va être la fête, là. Ça va être Mamour à conf... Oui, du crac, crac, du crac, crac. Ça y est. Enfin, la libération. Vous savez pas depuis combien de temps il se retient, le petit Albert. Oh! Thomas est passé. Non, pas effrayé. Thomas est passé en caleçon à flammes, forcément, on retient bien. Allez, vieux! Ne va pas dormir tout de suite! Ah, Albert arrive. Et Albert arrive te faire des propositions coquines. Attention, dis donc, chérie, tu veux qu'on essaye la canne sous la couette? Ça, on pourrait faire des trucs coquins avec. Oh oui, carrément! Oui, ça y est, le lit conjugal va de nouveau être hanté par des murmures et des cris enjoués. Tout le monde, vous pourrez-vous coucher? Toi, tu vas, voilà, vous faites, vous occupez de vous, quoi. Hein? Ok, c'est bon. Tout le monde s'occupe de soi et nous, on va terminer cet épisode sur les amants maudits qui ne le sont plus maintenant qu'ils sont vieux. Ils pourront enfin en faire des crapulades. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. En espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas à le liker, à commenter ou à le partager et aussi à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decades Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!